Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle journée de pêche à la truite. Une session hauler dans un secteur où je suis encore jamais venu. Donc voilà, je découvre, on va explorer ça ensemble. Alors on est en début de saison, les poissons sont pas encore trop dérangés. Il y a eu pas mal de pluie récemment, on a des débits qui sont encore assez soutenus. Il y a pas mal d'eau quand même encore aujourd'hui, donc c'est un bon débit pour la pêche hauler là. Le temps est gris, il prévoit de la pluie, voire même un peu d'orage là, cet après-midi. Je me dis qu'on est dans des conditions qui peuvent être assez sympas pour la pêche là ce matin. Alors j'espère réussir à faire bouger un peu de poisson. Ça creuse bien, je vais remettre un truc vraiment lourd après, je vais juste essayer un petit coup avec ça. Fait suivre par une petite truite. Ça, c'est un leurre avec lequel j'ai déjà fait des jolies pêches dans des conditions similaires. Donc, je vais voir un peu essayer avec ça ici. Je vais penser bien en face. Je vais ramener tranquillement en laissant le leurre travailler tout seul dans le courant là, en allant vers l'aval. En passant, bien devant les blocs là. Elle a attaqué à mes pieds. J'ai même pas vu le poisson, mais bon, elle a senti. Hein. Elle a senti. Mais je pense que c'était pas très grand parce que ça a vraiment frétillé au bout quoi. Comme si c'était une petite truite. Là j'aurais ici un autre poisson majeur qui pêche encore plus creux. Voilà, avec une très grosse bavette. Oh, il y en a une belle qui est venue voir. Je crois qu'elle est sortie de un peu plus bas là et elle m'a vu. Elle m'a vu en remontant, parce que je l'ai vu se barrer d'un coup, hein. Je pense pas que c'est le leurre qui m'a fait peur comme ça. Putain, dommage, c'était peut-être la seule du coup. Il est beau cet oiseau là. Comme une sorte de canard que je connais pas ça. Yes. On la tape quand même, ami. Je me suis effrayé. Oh yes. Super. Ah, décroché. Ah, dommage. Ah, elle devait faire 33-34. Ah, dommage. Oh la tape. Ah, j'aurais eu une belle sensation quand même. Elle a des belles ébrures celle-là, superbe. Elle est bien en queue de courant là, en fin de courant. Où le fond en fait remonte un peu, en sortie de fosse. Oh purée, oui. Oh, c'est plus gros. Ça m'a l'air un peu plus gros. Ouais, c'est un peu plus grand. Putain, pratiquement au même endroit. Oh, quoique non, j'ai mal vu. j'ai mal vu, c'est à peu près la même. Ça doit être à peu près la même taille. Non, elle est même un peu plus petite. Tac, on sent simple, on va écraser. C'est vraiment pratique quand même pour décrocher le poisson. Mais c'est mieux de le décrocher quand il est dans l'épuisette quand même. Plutôt que le décrocher quand il est dans l'eau. Ah, elle est superbe. Elle a belle petite tache bleue sur l'opercule. Voilà, jolie petite fario. Allez, retourne à l'eau. Yes. Ouais, il y a un dicton qui dit jamais 2 sans 3. On va voir. Voilà, je balance la voix. Ça coule un peu. Hop. Là, je passe vraiment juste là où le fond remonte, sortie de fosse. Je ramène ça tranquillement, le leurre s'anime tranquillement dans le courant. Et ça m'a déjà tapé deux fois en faisant ça avant. J'ai juste de passer vraiment sous ce gros bloc. Là. Ah, je sais pas. Ah non. Et non, ça fait le fond.
L'ambiance est quand même assez spéciale aujourd'hui. Il y a le sable du Sahara qui est arrivé chez nous. Oui, il y a une sacrée ambiance, un petit peu orange, jaune comme ça dans l'air. Sûrement se méfier, c'était pas bien gros. Je sais même pas si elle faisait 30 cm celle-là. Je vais pas m'acharner dessus. Oh oui, poisson. Yes. On joue les truites. Ah super. Super. Faire ça vite. On va faire ça vite et bien. Hop là, la belle. Yes. Bon là, je mouille les mains comme je peux. Voilà. On va faire très vite pour la release. Oh, c'est magnifique. Elle est vraiment super. On va décrocher ça, c'est facile. Elles sont simples, sans ordillon. Allez ma belle. Tourne à l'eau direct, super. Et ma belle, je tarde pas trop ici. Hop, elle est partie, parfait. Yes. Yes, 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 yes. Oh, c'est lourd. Oh la vache. Ou alors, est-ce qu'on va plus? Elle a tout donné au début. Ah ça y est, elle se réveille maintenant. Elle a tout donné avant, puis voilà. Oh, c'était sacrément lourd. Putain, elle avait une touche. Là, elle met des touches de dingue. Oh, elle est super. Elle est magnifique. Je suis content, les poissons sont un peu joueurs aujourd'hui. Mais bon, je les enchaîne pas, hein. Il se passe quand même pas mal de temps entre chaque prise. Oh le bestiau! Oh dommage! Oh la canne, elle a failli partir à l'eau. Oh purée, j'y croyais. De toute façon, je le sentais là. Il y a un gros bloc au fond de l'eau là, je suis passé devant. Tac! C'est un sacré poisson, il était bien plus grand qu'avant quand même. Ah, il est bon le point quand même là, c'est vrai. Voilà le sable du Sahara qui tombe avec la pluie. On voit là. Il y a des petites gouttes de sable. Joli. Intéressant ce coin. Grosse veine de courant là. J'adore ce coin, super beau. Boah, ce trou, ça c'est de la fosse. Inaccessible de ce bord là. Bon, je me fais ma petite pause midi dans ce superbe spot. J'en suis au dessert. Quand dans la boulangerie ce matin, j'ai vu ça, j'ai pas pu résister quoi. Je me suis dit, si jamais je vois pas de poisson, bah j'en aurai au moins sur mon dessert. T'as des sacrés spots hein. Là, je vais en faire une, là, je le sens. Là. J'ai un feeling là, sur ce coin-là. J'ai vraiment un feeling, là.
Je me sens vraiment, vraiment bien sur ce coup. Ça y est. Oh, oh non, décroché. Oh, elle était super belle. Eh, mais purée, je dis, j'ai un feeling sur ce coup. Je me sens vraiment, vraiment bien sur ce coup. Ça y est. Oh, oh non, décroché. Oh, elle était super belle. Oh, je l'avais senti venir, celle-là. Oh, c'est fou. Ah purée, si elle avait fait 25 là, j'aurais moins eu les boules, mais celle-là, elle était plus proche, je pense, des 50 que des 25, quoi. Je loupe les plus belles aujourd'hui, c'est un peu dommage. Ouais, vaut mieux pas tomber dedans. Hein. C'est la jungle, là. J'adore ça. Là, je pense que c'est l'un des derniers spots avant que je fasse demi-tour. J'ai fait un gros poisson majeur. Bon là ça y est, la pluie arrive, le temps se gâte sérieusement, donc je pense que je vais peut-être même me remballer, je sais pas trop, enfin ça je suis sous les arbres, ça va, enfin justement, je sens pas trop la pluie, mais par contre avec le vent qui se lève et tout là, je vais déjà sortir de cette forêt, un parcours que j'ai vraiment envie de refaire. Je me suis vraiment bien amusé, c'était vachement sympa là, ce matin, les trucs étaient vachement joueuses quand même, elles étaient quand même actives. J'ai réussi à en faire 3. Et fou, il y a quand même une belle petite flopée de loupés là. Des belles touches, des décrochés. Allez, c'est déjà, je suis là. Encore essayer vite fait et puis on va s'en mettre en valise. Allez, je pense que je vais y aller. C'est pas mal pour aujourd'hui.